Bienvenue dans Euronews Soir. Nous allons découvrir ensemble l'essentiel de l'actualité européenne et internationale de ce vendredi. Voici les titres de ce journal. La France se souvient de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Drapeau en berne et hommage populaire pour dire adieu au 5e président de la 5e République décédé hier. En France toujours, l'Assemblée nationale approuve l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes. C'est la première grande réforme sociétale du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et puis les Autrichiens appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives anticipées. À 33 ans, l'enfant prodige de la politique et ex-chancelier Sébastien Kurz devrait prendre la tête du prochain gouvernement. La France a commencé à rendre hommage à Jacques Chirac au lendemain de sa mort. Des livres d'or ont été installés à l'Élysée et un hommage populaire lui sera rendu dimanche à partir de 14h aux Invalides. Audrey Tilve. Les drapeaux du fronton de l'Élysée en Berne entourés d'un ruban noir, un portrait et les anonymes qui depuis hier se succèdent au palais présidentiel pour signer les livres d'or et saluer la mémoire du 5e président de la 5e République. Jacques Chirac sera inhumé au cimetière Montparnasse aux côtés de sa fille Laurence dans la plus stricte intimité. Mais avant cela, une cérémonie populaire aura lieu dimanche aux Invalides. L'ami de 40 ans, Alain Juppé, lui a rendu un hommage appuyé, fidèle d'entre les fidèles dans les victoires comme dans les démêlés judiciaires. Celui qui a depuis claqué la porte des Républicains a redit son admiration pour l'homme tout court, avant même l'homme d'État. Je crois que c'est cette capacité à se porter vers les autres. Voilà. Et ça m'a toujours plongé dans une grande admiration. Il avait cette spontanéité, cette facilité à établir le contact avec tous les hommes, hein, ceux d'Afrique comme ceux du 18e arrondissement, où il était venu souvent me soutenir. Et c'est ça qui entraînait autour de lui, parce que voilà, il y avait cette chaleur qui se dégageait de sa personne. D'abord, c'était un colosse, physique, un corps, hein, une présence, hein, très importante, une joie de vivre, un appétit de vivre. Quand je l'accompagnais parfois dans des campagnes électorales, je me souviens des sandwichs. Pour Chirac, le sandwich, c'était une baguette entière farcie de rillettes. Voilà. Une journée de deuil national lui sera consacrée lundi et un service solennel sera rendu le jour même en l'église Saint-Sulpice à Paris. Décédé à 86 ans, Jacques Chirac laisse derrière lui une France partagée entre nostalgie et rejet de la vieille garde et une droite plus éclatée que jamais. Je vous le disais en titre, après un peu plus de 3 jours de discussion, les députés français ont approuvé l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. C'est la première grande réforme sociétale du quinquennat d'Emmanuel Macron. On retrouve dans la rédaction Joanne Massard, journaliste française. Joanne, l'article 1 du projet de loi bioéthique a été adopté avec 55 voix pour, 17 contre et 3 abstentions. Eh bien oui Stéphanie, c'est après des heures de débat et malgré les clivages politiques que l'Assemblée nationale, sous les applaudissements, a voté le droit pour toutes les femmes en France de recourir à la PMA. La procréation médicalement assistée permet d'avoir un enfant au moyen de différentes techniques médicales, comme l'insémination artificielle ou la fécondation in vitro. Elle était jusqu'à présent réservée aux couples hétérosexuels en France. Elle sera désormais élargie à toutes les femmes, en couple ou célibataire, et sera remboursée par la Sécurité sociale. Une ouverture des droits donc pour toutes les femmes en France, et ce, malgré les réserves émises souvent par la droite ou l'extrême droite, mais aussi par l'Académie de médecine ces derniers jours et une partie de l'opinion public qui a à plusieurs reprises manifesté son opposition dans la rue. Le projet de loi, lui, devrait être promulgué comme le souhaite la ministre de la Santé Agnès Buzyn avant l'été 2020. Avec cette décision, la France est désormais le 11e pays de l'Union européenne sur 28 à autoriser la PMA à toutes les femmes, après le Portugal, l'Espagne, l'Irlande ou encore le Royaume-Uni. Merci Joanne pour ces explications. Les Autrichiens sont appelés aux urnes dimanche pour renouveler leur Parlement. L'ex-chancelier conservateur Sébastien Kurz s'est donné largement favori, mais l'incertitude demeure sur le cap que prendra son gouvernement avec ou sans l'extrême droite. Audrey Tilve. À 2 jours des législatives anticipées, les militants du Parti populaire autrichien redoublent d'efforts pour convaincre les indécis. Les sondages sont pourtant limpides. Ils créditent le parti de l'ex-chancelier Sébastien Kurz de 33 à 35% des intentions de vote, très loin devant les sociaux-démocrates. Mais à Vienne, les badauds ne jurent de rien et chacun y va
de son pronostic. Je préférerais une coalition entre les sociaux-démocrates et les Verts. Je serais très heureux si les sociaux-démocrates et Sébastien Kurz pouvaient travailler ensemble à nouveau. Pas de coalition du tout, juste un gouvernement d'experts. C'est précisément un gouvernement de technocrates qui dirige l'Autriche depuis le vote de défiance contre le gouvernement Kurz en mai dernier, entraîné dans sa chute par son allié d'extrême droite après le scandale de l'Ibiza Gate. Pour le politologue Paul Schmidt, deux options s'offrent à Sébastien Kurz. La première option serait dans la droite ligne de ce que nous avons expérimenté auparavant, un gouvernement pro-européen avec un ancrage national fort. Et dans l'hypothèse d'une alliance regroupant les conservateurs, les Verts et les libéraux, ce serait plutôt un assemblage de points de vue, un gouvernement autrichien qui se préoccuperait davantage de l'intégration européenne et qui se concentrerait aussi sur la question climatique. Bien que Sébastien Kurz se mène dans les sondages avec une avance de plus de 10 points, il a assuré en fin de campagne que la course serait serrée. Peut-être redoute-t-il une faible mobilisation de ses sympathisants, car faute d'un bilan de chancelier à défendre, la campagne a été sans relief. Et les experts mettent en garde contre une faible participation dimanche. Direction les États-Unis, où les démocrates maintiennent plus que jamais la procédure de destitution de Donald Trump après les révélations de cette semaine. Ils reprochent au président américain d'avoir demandé à l'Ukraine de l'aider à rassembler des informations compromettantes sur son rival politique Joe Biden. C'est une affaire qui agite Washington depuis plusieurs semaines et qui conforte les démocrates dans leur procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump. S'appuyant sur le signalement qui accuse le président américain d'avoir demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur son rival à la prochaine présidentielle, Joe Biden, l'opposition accuse la Maison-Blanche d'avoir cherché à étouffer le scandale. Comme je l'ai dit, je pense que ce signalement nous donne une assez bonne feuille de route des allégations sur lesquelles nous devons enquêter. Et cela va évidemment plus loin que la conversation téléphonique, car des efforts ont été faits pour dissimuler ce stratagème en transférant les communications sur des serveurs qui étaient en fait conçus pour contenir des communications d'action secrète et d'autres renseignements très sensibles et compartimentés. Face à la pression, Donald Trump a à plusieurs reprises sur son compte Twitter dénoncé un harcèlement présidentiel. C'est une honte pour notre pays. C'est une autre chasse aux sorcières. C'est reparti pour un tour. C'est Adam Schiff et son équipe. Inventer des histoires et rester assis là, peu importe comment vous voulez appeler cela, c'est vraiment une honte. C'est une chose terrible pour notre pays. Ils ne peuvent pas travailler, ils sont bloqués. Les démocrates vont perdre les élections, ils le savent bien, c'est pour ça qu'ils font cela. Avec ces révélations, un nouveau coup de tonnerre retentit à la Maison-Blanche. La question de la destitution de Donald Trump sera, à n'en pas douter, au cœur de la campagne de la prochaine présidentielle, avec des répercussions difficilement prévisibles pour les deux camps. Que s'est-il passé dans le reste de l'actualité européenne ? Voici un tour d'horizon préparé par nos confrères des équipes linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. Nos confrères italiens s'intéressent à l'Arabie Saoudite qui va délivrer pour la première fois des visas de tourisme à 49 nationalités. Jusqu'à présent, le royaume ultra-conservateur ne délivrait de visas qu'aux pèlerins, aux expatriés et depuis peu aux spectateurs de rencontres sportives ou d'événements culturels. Notre bureau en Grèce traite quant à lui d'un trafic de nourrissons démantelés à Thessalonique. 12 personnes ont été arrêtées, mais plus d'une soixantaine d'individus sont dans le collimateur de la police grecque et d'Interpol. Des femmes, le plus souvent bulgares, étaient conduites dans des cliniques pour y accoucher ou se faire prélever leurs ovocytes. Un trafic qui a rapporté plus de 500 000 euros en l'espace de 3 ans. Enfin, nos confrères de la rédaction espagnole met en lumière la découverte d'une planète de la même taille que Jupiter, située à 31 années-lumière de notre système solaire. Cette exoplanète serait une boule de gaz géante et fait très rare, elle est en orbite autour d'une étoile naine, une situation improbable selon la théorie classique de la formation des planètes.
Allez, on termine ce journal avec un coup de projecteur sur une militante sahraoui des droits de l'homme. Aminatou Haïdar fait partie des lauréats du prix Nobel Alternatif 2019, un prix qui récompense des hommes et des femmes qui luttent en faveur de la justice et de l'autodétermination. On la surnomme la Gandhi sahraoui. Aminatou Haïdar a reçu mercredi avec trois autres lauréats le prix Right Livelihood, qui se veut le Nobel Alternatif. Un prix dont elle espère qu'il braquera les projecteurs sur la situation du Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole annexée par le Maroc en 1975. Depuis des décennies, Aminatou Haïdar organise des manifestations en faveur de l'autodétermination, répertorie les cas de torture et a fait plusieurs grèves de la faim. Elle a aussi passé plusieurs années en prison. Les jeunes endurent au quotidien, dans leur chair, la répression, la torture, l'emprisonnement, les procès inéquitables, la marginalisation et la pauvreté. Cela fait partie de la stratégie politique du Maroc pour marginaliser les jeunes sahraouis. Or, pour que la jeunesse sahraoui ne réponde pas de manière violente, il faut garantir ses droits les plus élémentaires. Si les Nations Unies ont reconnu le droit à l'autodétermination du Sahara occidental, la communauté internationale reste muette sur la question et cette militante peine à faire entendre sa voix. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews. Lundi, vous retrouverez Guillaume Petit à cette même place. Passez un excellent week-end, à bientôt.